Géocotechnologie est une entreprise qui met au point les innovations dans la fabrication, l'adaptation pour le bien du Congo en étudiant les besoins de la population pour leur satisfaction. Sa mission est de promouvoir l'accès à l'industrie scientifique et la technique aux fins humanitaires. Ce, pour l'épanouissement et la jouissance communautaire sans aucune discrimination. Ce qui est technique, ça nous intéresse plus d'adapter, de fabriquer, de faire le Made in Congo. Donc nous étudions le besoin par rapport à la population, qu'est-ce qu'ils ont besoin, et par rapport à ces besoins-là, nous mettons au point un équipement qui répond par rapport à ces besoins. Biocotech, parce que l'idée est commencée d'une manière très 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 simple. La famille, mon nom c'est Bioko, c'est mon nom, le nom que j'ai hérité de mon grand-père et mon père aussi qui a le même nom que moi. On était tellement basé à la technologie, à l'adaptation. Et nous, on vivait, si on a une pièce qui ne marche pas, on n'achète pas. Nous, on se concentre à adapter. Et c'était, entre guillemets, comme Bioko dans la technologie. Okay, ces noms, ils restaient, ils m'ont resté toujours en tête. Et pour rendre aussi hommage à mon grand-père, qui s'appelle Bioko, de lui que j'ai ici ces noms, voilà pourquoi on a créé Biocotech. Mettre son savoir-faire à la portée de la communauté afin de faire savoir et constituer une communauté de connaisseurs reste la grande vision des Bioko. Jeune en âge mais grand dans la vision, Christmas Bioko a mis en place cette grande entreprise depuis le 23 octobre 2015. Il est donc directeur général de son entreprise. Je suis chercheur indépendant en sciences physiques et technologiques. Et je suis également DG d'une entreprise, un start-up, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a mis au point. Ça se nomme Biocotech. Premièrement, je suis kumbanguiste. Selon nous, la vision de l'église kumbanguiste, nous avons notre idole, notre représentant spirituel, Papa Diangeda, qui disait toujours, peu importe qui vous étudiez, peu importe ce que vous pourriez faire, mais si dans vous, vous ne savez pas créer, vous ne savez pas faire quelque chose de vous-même, en tout cas, vous êtes zéro. C'est de cette base-là que je me suis vraiment focalisé, je me suis vraiment orienté dans cette réflexion très approfondie de Papa Diangeda. Et de cela, ça m'a donné une motivation. Je me suis dit, bon, c'est vrai que nous sommes consommateurs, nous sommes comme ailleurs. Je me suis dit, pourquoi pas essayer nous-mêmes de résoudre nos problèmes. Donc, c'est vraiment parmi mes sources d'inspiration très profondes que je me suis basé. Sa vision, c'est de matérialiser de manière concrète par des réalisations. Je me dis, moi, mon truc à moi, ce n'est pas le bureau. Je ne vais pas avoir un bureau climatisé, je suis en costume serré. D'ailleurs, vous êtes là, vous êtes venu me voir. Je suis avec, relativement avec ces combinaisons. Mon souci à moi, ce n'est pas le bureau, mais c'est le terrain. Parce que chacun doit faire son travail. Je suis DG, bien sûr, mais mon travail à moi, c'est à l'atelier. Je dois suivre ces jeunes gens-là, je dois compliciter avec eux. C'est comme ça s'opère la magie. C'est dans l'unité, c'est dans la cohésion des idées. Donc, je dois comprendre comment ils fonctionnent, ils savent comment je fonctionne, et ce mélange des idées, etc., ça génère de faire quelque chose de nouveau. Et je vous informe, nous, comment ça nous arrive à transformer, à inventer, c'est instantanément. Donc, quand on est sur place, on est sur terrain, on discute, c'est une complicité, c'est de l'amour accompagné de l'amour, et on arrive à faire des choses vraiment de merveille. Le Biocotech n'est pas seulement à Kinshasa, il y a aussi à Lubumbashi, également à Bukavu. Et là-bas, nous faisons aussi des formations
Et là-bas, je suis aussi sur terre. Donc, c'est-à-dire que même si je suis à Lubumbashi, même si je suis à Bukavu, je sais quand je dis, je commande, vous faites ça, etc., ça se suit sans problème. J'ai absolument confiance à ces jeunes gens-là. Mais si je suis, si je réponds à votre question, si je suis sur terrain, sur là, parce que ça me pique toujours de curiosité. Je me dis, ah ben, je dois être là. Biocotechnologie travaille dans l'industrie et opère dans la fabrication, dans l'invention des produits électroniques, électroménagers et produit des équipements pouvant être utilisés dans différents domaines tels que le secteur d'éducation, le secteur culturel, le secteur d'études, projet planification ainsi que logistique et gestion du patrimoine, le secteur des sciences techniques, le secteur agricole. Je rends les choses très simples juste en observant la nature, en observant un besoin. C'est les habitudes qui m'inspirent. Donc, je vous observe par exemple, je dis l'exemple un peu typique. J'avais l'habitude, chaque fois quand je sors chez moi le matin, je dois cirer mes chaussures. Pour moi, il n'y a pas pire que cirer mes chaussures. Donc, et pour faciliter cette habitude, j'ai mis au point une box où il y a des brosses tournantes. Il ne suffit que de faire entrer votre chaussure, il va asperger le cirage liquide. Et puis, ces brosses vont tourner dans tous les sens possibles pour rendre clean votre chaussure. Pardon ? Donc, vous... vous parlez des quoi ? Je comprends pas. Donc, vous faites entrer votre... Dans cette box à chaussures, okay. Vous faites entrer votre chaussure, l'intérieur, c'est comme une grosse boute, et il va asperger le cirage liquide. Et après, le brosse va se mettre à tourner dans tout le sens et pour rendre clean votre chaussure. Et vous n'êtes pas obligé de cirer votre chaussure, etc. C'est parmi nos innovations et que j'ai tiré par rapport aux habitudes. Donc, j'essaye de rendre très simplement la vie et voilà. Par exemple, le machine de point doux, vous savez, en Europe, il n'y a pas le point doux. Le blanc, ils ne vont pas manger le point doux. Alors, il ne mettra pas leur temps de faire une machine qui hache le point doux. C'est le besoin que nous comprenons. Et voilà pourquoi j'ai créé de machines de point doux. La machine de Shkwang également. Donc, c'est-à-dire que l'inspiration ou la réflexion de choses est toujours basée à ce qui est au quotidien de nous. Ça m'aide à m'inspirer et là, je fais mes petites créations. Je le dis toujours, l'amélioration, c'est vrai qu'on dit l'amélioration, ne quitte pas quelqu'un dans un travail, mais change le travail d'une autre personne. Ou soit, de certaines manières, vous permet, par exemple, il y a des gens qui mécaniquement font la Shkwang, etc., gagnent de cela, je suis d'accord. Mais quand on met au point la machine, ça va d'abord faciliter ce travail-là et ça va encore ajouter des emplois parce que nous aurons besoin de gens qui vont faire la maintenance, de gens qui vont façonner la machine, qui vont suivre la machine. Et ces mêmes personnes-là, on ne les quitte pas dans leur cadre du travail, mais on leur apprend comment améliorer, comment faire mieux, comment rentabiliser. Parce que je l'ai dit, une maman peut faire 50 shkwang sans problème. Mais une machine, accompagnée d'une maman qui utilise une machine, elle peut faire 6000 shkwang. En tenant compte de certains des objectifs précités, parmi lesquels la promotion de la science et de la technique au Congo, la valorisation de l'esprit inventif et la création de l'emploi, Bio-Conabiso fait émerger l'industrie technologique en République démocratique du Congo. Il n'y a aucun produit qui sort de Biocotech sans avoir une touche personnelle. Donc, c'est comme ça. Notre particularité, c'est l'innovation. On dit toujours qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et on travaille toujours sur base de ça. Le lave-main grand public, c'est une idée que nous avons eue quand le Covid-19 a vraiment commencé. Voilà, comme je dis, on s'adapte par rapport aux milliers. On s'est dit, comment on peut faire 8 personnes à la fois peut laver le main. Parce que moi, quand le Covid a commencé, j'avais la permission d'entrer en ville. Je voyais fâcheusement où on met un gros réservoir avec un robinet où vous faites la queue. Vous tous, vous attendez qu'elle lave le main. Mais je me dis, mais pourquoi pas autant de personnes qui lavent le main? Et pourquoi pas tout ce temps de personnes sans toucher le robinet? Juste, il faut pédaler pour éviter de se contaminer avec la main. Et c'est comme ça que ça nous a généré cette idée de faire le lave-main grand public.
se lave main, 8 personnes peuvent laver le main à la fois, juste en pédalant. Il y a un mégaphone pour faire la sensibilisation, pour appeler les gens toutefois de venir laver le main. Et puis la lumière publique qui est incorporée dans ces lave-mains. Donc avec 2000 litres de Stern, nous pourrions laver 5000 personnes peuvent laver le main. C'est vrai, le problème n'est pas seulement que 8 personnes peuvent laver le main, mais le problème est que 8 personnes peuvent laver le main à la fois par rapport à 5000 personnes. Donc d'où on n'a pas besoin à tout moment de remplir le Stern, mais juste de remplir, on n'a pas besoin à tout moment de ravitailler l'eau dans le Stern, juste avec ce Stern de 2000 litres, on peut couvrir de 5000 personnes. Donc je me suis dit, par exemple, si c'est une église où il y a 5000 personnes, donc au lieu à tout moment de faire le ravitaillement, on fait le plein et puis après on épuise. Donc c'est ça la philosophie. Et c'est un lave-main qu'on appelle grand public. Donc on l'a ciblé dans des carrefours, dans des ronds-points, dans des places qui est très 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 publiques où les gens peuvent laver le main facilement. Pour rendre très efficace notre lave-main, nous avons fait de sorte que tout le système de pédale soit mécanique. Donc ça ne dépend pas de l'électricité. Ça dépend que de votre petite force. Appuyez ou vous entraînez le levier et ça fait sortir de l'eau. Et pour dans le parti lumière et aussi le voice, là nous mettons un léger panneau au-dessus qui capte l'énergie solaire avec une petite batterie qui peut donner la lumière et qui peut aussi faire fonctionner le moteur qui fait sa sensibilisation. Bio-Conabiso Technique est en effet une branche des Bio-Conabiso qui met l'accent sur la technique. Mais aussi, nous avons une ONGD parce que nous donnons aussi des formations, nous encadrons le GEN, on encadre peu importe quelle classe sociale. Cette ONG s'appelle Bio-Conabiso. Bio-Conabiso, Nabiso c'est un Lingala, comme vous savez, Bioko que je suis, Nabiso c'est-à-dire eux, les autres. Bioko, ça vient de ma langue maternelle, Bioko signifie le bruit. Bizarrement, c'est fait le bruit, mais dans le bon sens, moi que je le prends, je le dis, quand je suis là, je fais du bruit pour toucher tout le monde. Avec un personnel jeune en termes d'âge, mais pas en termes de savoir et de l'expérience, Biocotechnologie fait toute la différence par la confiance qu'il a fait à la jeunesse. Si j'engage le vieux qui ont déjà d'expérience, qui ont déjà travaillé quelque part, quand est-ce qu'on va engager les gens qui n'ont pas encore travaillé? Qui n'ont pas l'expérience. C'est le temps, pour moi, je me dis, c'est le temps que je prends les gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas forcément fait des grandes études, mais que je regarde le talent du génie en eux. Et avec quelques formations, quelques règles, quelques principes de faisabilité, j'arrive à transformer ces jeunes, qu'ils soient utiles, qu'ils soient capables de faire quelque chose et de gagner chaque fin de mois. Ça fait partie de la vision de tout le temps. Je me dis, il y a toujours du plaisir à payer quelqu'un à la fin du mois. Moi, pour moi, c'est la pure de merveille de choses que je réalise, alors que je vois, que je me vois dans moi, c'est de pouvoir payer quelqu'un chaque fin du mois et que cette personne puisse résoudre, pas tous ses problèmes, mais puisse résoudre le minimum de ses problèmes avec sa famille, avec ce qu'il a. C'est parce qu'il a mérité, c'est parce qu'il a travaillé. Biocotech continue jusqu'à présent de faire la création des emplois, parce que quand nous adaptons les équipements, on a besoin de toute classe de techniciens. Nous avons des ajusteurs, nous avons des designers, nous avons des électroniciens, nous avons des électriciens, nous avons des mécaniciens, nous avons même des gens qu'on appelle le TT. Et tous ces gens-là, ils sont ici d'une formation. Donc parce que, qu'est-ce que je fais quand il y a une nouveauté? Je donne une formation, je leur apprends comment ça fonctionne, comment ça marche. Et puis après, on essaie de réaliser avec le savoir que le bon Dieu nous inspire. Et on parvient à faire ça. Biocotechnologie travaille avec l'autofinancement. Question de laver l'image de l'investisseur en République démocratique du Congo. Cette façon de faire les choses motive leur travail de chaque jour,
Biocotechnologie se finance par la vente de ses fabrications et inventions. J'ai eu le Grand Prix de l'innovation de chef de l'État. J'étais primé étant être un Congolais qui a beaucoup d'innovations, qui enregistrait beaucoup d'innovations. Et j'ai passé un jury autour de cela et on avait eu le Grand Prix. Et hormis le Grand Prix, nous avons quelques brevets d'invention que nous avons eu toujours dans la République. C'est parmi nos fiertés et ça nous fait continuer. Donc on occupe une concession guest house parce que quand on fait de l'atelier, il faut avoir plus de l'espace libre. On occupe une concession et on occupe trois bureaux. Donc nous avons un bureau d'études. Nous avons un bureau administratif qui est en ville et nous avons un bureau de technicien. C'est toujours pour nous-mêmes, c'est sur Colonel Béat. Là-bas, c'est plus administratif, c'est plus documents, c'est plus papier. Je ne préfère pas beaucoup. Et je préfère beaucoup plus ces bureaux, c'est notre bureau d'études. C'est ici qu'on fait la conception, on fait des croquis. Voilà pourquoi, à tout moment que vous viendrez, il y a toujours des croquis quelque part. Toujours des croquis quelque part. Grand défi que moi j'ai, je ne me mets pas la comparaison, mais je vais faire mieux. Je vais faire mieux qu'hier parce que le grand problème de chez nous est que nous sommes restés consommateurs. Je le dis par exemple, tout ce qui m'entoure, là où je suis, est importé. Même mon stylo est importé. Même le tennis que je porte est importé. Le cahier, le table, tout ce que j'ai est importé. Je me dis, quand est-ce qu'on va arrêter d'être consommateur? En tout cas, mon plus grand défi, c'est de répondre à cette question. On doit arrêter d'être consommateur. Il faut réfléchir, il faut fabriquer. Selon moi, je ne focalise plus politique. Auparavant, je me disais qu'il faudrait autant de soutien et autant de subventions pour réussir. Mais je me dis d'abord, c'est question d'état d'esprit, c'est de vouloir faire. Quand on veut faire, on peut y arriver. Peu importe. Quand on veut faire, il suffit que de décider, je veux le faire. Et quand on décide, il y a tout le moyen qui vient autour de ça. Et c'est ces moyens-là qui me permettent aujourd'hui de diriger plus ou moins 20 jeunes, plus ou moins 35 employés, et qui sont payés chaque mois sans problème ou... on arrive à faire l'autofinancement. Et c'est ces moyens-là, c'est cette volonté-là qui nous aidera à avoir le moyen qu'il faut et nécessaire pour ne jamais arrêter. Plus d'informations, visitez www.biocotech.com.